Bonjour à tous et à toutes, je suis Alucioné dans votre feuilleton préféré, favori, Phoenix Friday, Saturday, Treason, Tribulation. La deuxième partie du dernier procès du jeu, enfin, la dernière partie, j'espère, ça va aller très vite. J'ai envie que ça aille vite, j'ai pas envie de me retrouver avec une troisième partie, ce serait chiant. Nous avons devant nous une réincarnation de Daïla Plantule. Qui aurait pris donc un corps de je ne sais qui, je ne sais quoi. Et donc, elle va nous révéler le plan. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc allons-y. Ok. Ça se tient pour l'instant. Genre. Bah tu m'étonnes aussi. En même temps, Morgan Fay... pas vraiment le type de personne que j'ai envie de croiser H24. Oh, c'est salaud! Mais je ne comprends rien à l'histoire! Actuellement, je me fous de ce qu'elle dit, je suis trop sur la musique. Bah évidemment, il faudrait qu'elle meure, qu'elle décède. Baya doit décéder comme ça. Plus de branche principale. Et ben, la famille collatérale, paf, reprend le pouvoir et paf, nouvelle prêtresse. Magnus du pouvoir curin, je crois. Voilà, c'est ça. Oh, tellement fort. Je suis trop fort. Mais ça se tient. Personne est fourbe. Alors, Maya Faye, je veux bien. Mais perles? Vraiment? Oui, mais perles, voilà.
Oui, c'était easy. Ouais, mais voilà. Elle a raison, mec. Elle est décédée. Que peut-on faire? Si, je sais, les cheveux. Exactement. C'est à rien y comprendre. Moi je sais, c'est parce que Morgane en a rien à foutre. C'est une traîtresse. Je ne sais pas pourquoi. Raconte-nous l'histoire. Des problèmes. Mais quel genre de problème? Elle veut des choses. En effet, elle est morte. Objection ! Elle est morte. Mais comment peut se peut-ce ? C'est ce qu'on pense tous, mais en fait, ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, il y a un twist. Ça se trouve, il y a un putain de twist. Tu me reparles comme ça, mais celle-là, même si c'est pas ton corps, elle va te sentir. Tu vas la sentir, celle-là. Vas-y, dis-moi la vérité. Oh. Ouais, mais... Phoenix Wright. La foi, tout ça... Ah, voilà. Voilà. Les projets de ta mère. Alors pourquoi t'as accepté? Voilà. Pourquoi? C'est ça la vraie question. On veut savoir pourquoi. Oui, je sais, je suis une fleur. Alors là... Toujours rien compris. J'ai toujours rien compris. Quoique... Alors ce serait extrêmement compliqué à expliquer. Mais je pense que ça a un rapport avec Mia. Je pense que ça a un rapport avec Mia. Je pense. Je suis absolument pas sûr de ce que je vais faire. Selon moi, c'est à cause de la mère de Mia que tout a commencé et que c'est à cause de ce, à partir de ce moment que tout a... que tout était très vite pour Daila et pour Morgane surtout. Et qu'elle garde une profonde rancœur. Je tente. C'est thérapie totale. Franchement, très franchement. Très franchement, c'était le pif token. Voilà. Voilà. Ah bah oui. Mais oui, quel trou du cul. Évidemment, la réflexion était là. C'était Mia qui avait aussi jugé d'aller la pensule. Oh, quel trou du cul. Ah, j'avais tout zappé. Évidemment, hein, c'était ça, mais je n'avais rien compris. J'ai trop loin. Ah putain, c'était évident.
Et c'était de faire d'autres morts, évidemment. D'accord. Ouais. Yoku, joie bonheur. Eh ben donc, ça va très très vite. C'est bien. Quel projet froid cruel, oui, c'est pas gentil. Ah. Oui, c'est bon, là. Oh là là. Oh là là. Cette nuit-là, oui. Oh mon dieu, la musique. Ouais. Un volant anti-démon. Ouais. Ouais, elle a fait des gros yeux, Maya. Mon dieu, des révélations choquantes. Ouais, c'est très très curieux, dit Lorouk. Ah, c'est très très bizarre en effet. J'étais poignardé. Bah évidemment, dis donc, évidemment, la putain, c'est incroyable. Ouais, tu as perdu connaissance, mais avant, j'ai griffé. Ah, d'accord, donc en fait, on comprend maintenant que c'est Daila qui a écrit le mot de Maya, enfin le mot Maya, voilà. Donc ça déjà, c'est à mettre à jour, s'il vous plaît. Et après c'est le trou. Donc après, voile noire et pouf, t'as réapparu dans le monde. D'accord. Putain, mais mais trop de mystère, mais dites-moi tout. Waouh, il essaie de faire des rebondissements. Mais non. Waouh, elle s'est cachée. D'accord. Exactement. Il était trop tard. Mais comment? D'accord. Thank you.
Oh, donc c'est la vraie Iris qui est enfermée. C'est fourbe. Ouais, moi aussi j'y ai cru, tu vois. Moi j'y ai, on y a tous cru. Attention! Par sa belle-mère! Putain! Trop de révélations. Ouais, je comprends plus rien. Hein. C'est-à-dire, bah, tuer ses parents, hein? Le juge, le matricide, oui. Après, il y a le patricide, mais on va dire que c'est pas très très religion, tout ça, c'est pas Charlie. Elle a fait quelque chose de pas Charlie. Très bien. Mais l'histoire est en train de se dérouler depuis au moins 10 bonnes minutes. Ah ouais, lesquels? Je veux savoir. Non, elle a pas vraiment tort. Ouais, bah là, effectivement, non. Mais où donc alors? Vas-y, fais-moi un dessin, je suis prêt. Au fond de la... Comment ça? Elle est tombée. T'es en train de me dire qu'elle est tombée dans la... Voilà. Tu es en train de me dire qu'elle s'est suicidée. Ouais. Moi, bof, j'y crois moyen. Bref. Alors attends, ne bouge pas. J'ai une preuve. Elle est quelque part dans ma poche rangée avec tous les. Avec ce bâton. Avec cette boule. Attends, je vais trouver. Voilà. Ah, c'est faux. Ah, je suis désolé, c'est faux. Silence de mort. Le café, c'est celui de Kodo. Zut, désolé, c'est mon portable. Kodo à l'appareil. C'est bon, merci. Ils viennent juste de retirer les canettes de la grotte secret. Ils ont trouvé une femme dans la grotte. Non, l'accusé, Sœur Iris. On le savait, enfin je le savais. Elle l'a avoué, n'est-ce pas? Ouais, elle l'a dit, moi j'ai retenu. Et ben justement, on n'en sait rien. Toi, tu es en train de me dire qu'elle s'est suicidée. Elle est morte et décédée. Dans l'aigle. Super, on a un monologue. Monologue. Suspense. Elle décédait. Je peux, monsieur, je suis là. C'est toi qui as fait un. Light, vous ne l'avez jamais entendu celle-là. Éliminer l'impossible. Il ne reste plus que la vérité. Quelle que soit la probabilité des faits.
À en croire ce témoin, Maya Faye s'est jetée dans l'aigle. Toutefois, est-ce bien la vérité? N'oubliez pas ce qu'a affirmé Péto. Le pont brûlait déjà quand le meurtre a été commis dans le jardin. Donc si Maya s'est jetée dans la rivière, elle a dû le faire du côté du temple intérieur, près du pont. Retenez bien ce mot. Retenez bien cette phrase. Mais c'est impossible. C'était cet endroit dans la rivière est impossible. Scrognigneux. Réflexion intense. C'est impossible. Comment? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que la raison? Une preuve? Est-ce que j'ai une preuve, bordel? Il me faut cette preuve. Bonjour. Je suis une photo. Bah oui, tiens, regarde, il y a 11 ans. Je sautais de cette même rivière. Flashback. Même pas. Regarde bien. Nous sommes là. Une saillie. J'apprends des mots. Une saillie. Très important, les enfants. Dites ça. Pour paraître intelligent. Et oui, oui, oui. Comment ça se fait que t'es de mon côté maintenant? Je ne comprends plus, Godot. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que tu es en fait, tu es un gentil? Serais-tu gentil? Mon cul, c'est du poulet. Là, tu veux le savoir, hein? T'as envie de le savoir? Tu veux le savoir? Pff, je suis chaud. Attention, j'ai mon doigt qui est prêt. Je dois te le dire, hein? Tu veux le savoir? Maya se trouve! Elle est dans cette salle! Doigt accusateur, s'il te plaît. Et ouais, parce que la vérité est devant nous. Et oui, oui. Tu veux le savoir aussi? C'est la question qu'on se pose. Tu viens de te faire avoir? Ah, tu viens de te faire avoir. Elle s'est fait avoir. Pointer du doigt, Yu est là. T'es nul. Pas Perle, toi tu es nul, Dayla. Et oui, car je pense d'ailleurs que c'était une supposition que j'avais proposée. Je crois dès le début, au tout début. Une deuxième fois, une troisième fois, même une quatrième fois, elle est toujours pas arrivée. Maintenant, elle se cherche, elle ne sait plus. Elle a envie d'arrêter, de se reconvertir dans la peinture. Et oui, car celui qui t'a invoqué, qui t'invoque actuellement, c'est Maya Faye. Take this! Thank you.
Ah, je crois que ça fait ting dans son esprit. Allez, vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. Elle t'a invoqué parce qu'elle a lu les instructions. Aussi, pour se protéger. Pourquoi? Je sais pas comment il est là, par contre. Et donc, tu t'es auto-tué. Et ouais. Des révélations choquantes. C'était un cheveu ou c'était une cicatrice? C'est un cheveu. Oh, elle est en train de craquer. Elle craque, ça y est, elle craque. Mais non, allez. Aveugle. Voilà, allez. Alors, c'est vrai. Voilà, ça j'y avais pas pensé. Bravo les développeurs. C'est pas mal. Wesh. Oh mon dieu, nous reviendrons 4 ans en arrière. Enfin, 11 ans plutôt. Non, ne ralentis pas le jeu, ne ralentis pas s'il te plaît. Ne ralentis pas le jeu s'il te plaît. Pas ta pute le jeu. C'est bientôt fini, j'espère, je ne sais pas. Voilà, donc là, elle a poignardé Maya. Voilà. D'accord. Non, le jeu ralentit pas. D'accord. Ok. Ouais, jusque là ça se tient. Pour l'instant, le scénario se tient. Le synopsis se tient. D'accord. D'accord. Pourquoi? Laquelle? Quelque part, Maya a eu raison de faire ça. Bon, alors Godot, il en a... Je pense que Godot, ça, c'est bon, on l'a terminé. Là. Bah oui, le premier échec, c'était c'était contre Mia aussi. Voilà. Flashback. Musique triste, effet magnétoscope.
Oh, c'est beau. Mais... voilà. Alors taisez-vous pour l'exclamation, pour l'interrogation, je ne comprends pas. Bah ouais. Un autre homme est mort. Décédé. Pour en savoir plus sur ces enquêtes, veuillez regarder l'épisode 1 ainsi que l'épisode 4 de ce jeu. Ah oui, montre-moi des choses. Allez, vas-y. Vas-y! Allez, allez! Pète ton câble! Je veux savoir quoi tu ressembles. Ça parle très très mal. Clash de fantômes. Ah, voilà. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, pète ton câble, s'il te plaît. Ben voilà. Ah bah évidemment, je pense à lutter. Oh putain, ils ont fait des vrais sprites. Oh, trop content. C'est fini? Putain, c'est même pas teinté les cheveux, je suis déçu. Ah, c'est vrai que ça m'a pas traversé l'esprit, mais le juge, très franchement,
Gros respect. Ah putain, incroyable. Ah le juge qui croit. Il croit au curin. Waouh, c'est beau. C'est beau, retenez ça. C'est beau. Oh putain. Ah. Objection. Pardon, excusez-moi. Tu as dit, Godot. Est-ce que... oui, donc. Je crois que tu veux quelque chose. Pourquoi? Si le jeu il est fini là. Ouais d'accord, il est fini le jeu. Quoi? Il dit quoi? Et... et alors? Ah, et votre question c'est de savoir qui était cette autre personne. Cette autre personne, j'ai coupé mon micro au mauvais moment. D'accord, ok. Si. Oh là, pourquoi c'est long? Ah bon? Mais qui donc? Oui. Alors, qui? Ah, dis-moi qui c'est, vas-y, impressionne-moi encore. Oh là, Lys, tu dois... c'est comme s'ils se connaissaient. C'est qui? Vas-y, dis-le tout. Non, quand même pas. Non, pas vrai. Non, t'es sérieux? Non, franchement. Non, quand même pas. T'es franchement un bel enfoiré, Godot. Mais juste parce que tu bois du café, je t'aime. Du coup, je veux bien t'excuser. On se fait un check. Oui, marquons une pause. Ah putain. Oui, il faut qu'elle récupère. Hein. Voilà. Vas-y, dis-moi tout. Vas-y, je suis chaud. Ok, c'était pas gentil. Ouais. Et alors? Il est où le problème? Ok. Bah voilà. Oh mon dieu, c'est pas fini. C'est pas fini! Oh oui! C'était pas Iris, et ouais. Oui, dis-moi tout, il faut. Pourquoi? C'est la question. Alors pourquoi? Oh. Moment triste. Tristesse.
C'était Diego Armando. Je savais. Attends, t'as dit un truc intéressant. Après avoir essayé de tuer Armando, quoi? Mais d'où? Est-ce que c'était toi? Dis-le-moi, s'il te plaît. Putain. Oh putain. Non, mais merde. Tu fais chier, putain. Mais pouf! Orage. Deuxième coup de téléphone. Ah oui, là. Pouf. D'accord. Tu lui as mis une bure. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Qui t'a appelé, putain? C'est qui? S'il te plaît. Pourquoi? Youhou! Mis à jour. Oui? C'est moi. Non, pas, c'est elle. Oh non, mais sors pas avec moi, putain, je suis trop dans merde. Oui? Maya, Mia, pardon, c'est moi, je suis en train de me tromper de nom, trop de choses. C'est trop de choses. Non mais tu m'étonnes aussi! Franchement, hey, c'est ton idée. On doute pas, mais franchement, moi j'en sais rien, j'en sais tellement rien. Ok, déjà ça on sait. Oh mon dieu. Un sprite de profil. Ok, bah merci, c'est très gentil de ta part. Oh mon dieu, des réponses. Je veux des réponses à ces questions. Et... C'était pas le moment.
C'était pas le moment. C'était pas le moment de me mettre à suivre. Merde. Donc, on a toute l'histoire. On a libéré, enfin, on a exorcisé Dai la Plantule, dis-moi son esprit. On a toute l'histoire. Et on me dit, je sais peut-être qui a tué Elise. Et je crois le prouver. Et moi, je sais pas. Donc, le jeu, tu reviens. Hein, tu vas pas me mettre de troisième partie parce que ça va être chiant. Et tu vas me dire qui a tué. Parce que là, techniquement, j'ai fini là. Moi, je me barre après. Moi, mon boulot, c'était juste. Daila, celle qui a manigance et tout ça. Et c'est tout. Merde. Bien. Sur ce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère au moins qu'elle vous aura plu et que, comme moi, vous êtes choqués par plein de révélations, hein, la famille, tout ça, le plan machiavélique surtout, hein, le clash de fantômes, ce magnifique passage de quelques secondes animées sublimement lorsque Dai la Plantule s'est scindé du corps de Maya. Oh, c'était magnifique. Oh, j'ai eu une érection, c'était incroyable. Et si toi aussi tu as aimé ce passage, tu peux mettre un like, tu peux partager la vidéo, tu peux la commenter, tu fais ce que tu veux, tu peux même regarder la playlist. Tu peux même t'abonner si mon contenu te plaît, d'ailleurs tu peux regarder mon contenu avant de t'abonner, c'est préférable, je pense. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine.